Ok, salut, salut à toi, bienvenue dans ce cinquième cours de la formation Blender versus Maya, comment créer un film d'animation 3D de A à Z seul sur Blender. Donc aujourd'hui dans ce cinquième cours, on a vu la dernière fois comment créer nos deux personnages. Donc nos deux personnages sont faits, ils sont rigués, ils sont animables, déformables. Maintenant il va falloir simplement les mettre dans une scène pour pouvoir les animer, les faire se battre en gros. Donc du coup on voit ça tout de suite, jingle. Alors du coup on se retrouve ici sur Blender, donc je vais ouvrir mes deux scènes en parallèle pour vraiment que tu vois ce que je fais. Parce que tu vas voir que ça va être un petit peu compliqué en termes d'organisation, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on fait. Donc ici je vais ouvrir du coup un Blender ici, et je vais, s'il veut bien, ce salaud, voilà, ouvrir un deuxième Blender à côté, d'accord? Pour vraiment comprendre ce que tu fais, et dans chacun des Blenders je vais ouvrir un personnage. Donc ici je viens ouvrir ma scène de mon personnage qui sera Blender, ok? Et ici Maya. Ok, donc on a Maya ici, on a Blender ici, d'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir les mettre tous les deux dans une seule et même scène? Alors l'idée en fait, c'est que la plupart des gens vont, si on ne connaît pas la 3D, vont essayer d'importer les personnages. Donc on voit un file append, si tu as un file append, ça sert à importer directement, ça fait une copie du contenu de ta scène dans la scène où tu vas animer. C'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, si jamais tu veux faire des modifications sur tes personnages pendant que tu animes, tu veux absolument que ça se répercute sur toutes tes scènes d'animation, parce que ça se peut que tu aies plusieurs scènes d'animation, là on en aura qu'une, mais ça se peut que tu en aies plusieurs. Donc il faut pas faire un append, il faut faire un link. Voyons un peu comment on fait. Donc je vais ouvrir une troisième scène, un troisième Blender, d'accord. Alors toi tu peux le faire avec un seul Blender, c'est parce que moi je veux que tu vois exactement ce que je fais. Donc un troisième Blender ici, et je vais enregistrer directement cette scène dans ma scène, ce sera ma scène d'anime en fait, d'accord. Ce sera ma scène d'animation. Donc ici, je vais faire un petit dossier, moi anime sans souci. Voilà, anime.1. Et en fait du coup je vais linker mes deux autres scènes, d'accord. Donc les scènes que j'ai ouvertes ici, je vais linker toutes les deux. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu links, avant de linker, il faut que tes scènes soient organisées correctement. Parce que tu vas linker ce qu'on appelle une collection, d'accord. Et il faut que dans tes collections, dans la collection que tu vas linker, d'accord. Donc la collection, rappelle-toi, c'est les petits dossiers ici que tu as là. Il faut qu'il y ait tout ton personnage. Donc moi ce que je fais, j'ai une collection qui s'appelle Car Blender, où il y a dedans tout mon personnage. Donc il y a son flingue, il y a tout, d'accord. Donc Car Blender, donc toi pareil, il faut que tu crées la collection pour mettre tout dans ton personnage. Pour créer une collection, il suffit de sélectionner les objets que tu veux mettre dedans. Alors je vais mettre un objet ici, d'accord. Tu sélectionnes tes objets que tu veux mettre dedans, tu fais M et tu crées une nouvelle collection ici, d'accord. Et du coup, dans ta collection, tu as tes objets et ton rig, d'accord, ton armature. Pareil pour Maya. Maya, il me faut une collection qui s'appelle, du coup ici, Car Maya, d'accord. Pourquoi Car? Pour caractère, mais tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. Hein. C'est pour moi m'y retrouver derrière dans ma scène d'anime. Ce qui est important, c'est que tu mettes pas les trucs qui sont pas en rapport avec le personnage dans ta collection. Par exemple, tu as essayé de tester des lumières, ou tes shape keys, tes shapes de bone plutôt, tes images de référence. Ça, ça n'a rien à faire dans ta collection, puisque tu ne vas pas les utiliser dans ta scène d'anime, d'accord. C'est simplement ton personnage et ton armature. Alors, une fois que du coup, tu as fait ta petite collection ici et ici, il va falloir linker ces collections. Comment ça marche? On prend la scène d'anime, ici, et tu fais File Link. Link, tu viens chercher ici ton personnage. Donc ici, moi, je vais aller dans la scène de mon personnage Blender d'abord, donc ici Blender, c'est celle-ci, la dernière, je fais link, et quand je fais link, tu vois, il rentre dedans, il rentre dans le fichier comme si c'était un dossier en fait, et c'est un dossier, et tu as les collections, et là tu vas pouvoir chercher ta collection directement, qui est Car Blender, d'où l'importance de la renommée, sinon tu vas pas t'y retrouver, et tu fais link, bim, maintenant en faisant ça, j'ai mon Blender qui est directement dans ma scène. Le problème c'est que je peux rien faire si ce n'est de le déplacer, mais je peux pas l'animer, je peux pas rentrer dedans dans le pose mode, je peux rien faire, mais on va voir ça après. Donc du coup, ici maintenant je vais linker Maya, d'accord. Donc même principe, file, link, Maya, d'accord. Donc je reviens ici, hop, Maya, la dernière aussi, et je viens chercher ici, Maya, où es-tu petite Maya? Collection, Car Maya, ok. Ok, parfait. Et du coup, les deux sont dans ma scène. Alors maintenant, comment je fais pour les deux les animer en fait, les gérer? Parce que là, je ne peux que les déplacer, les scaler, les rotater, mais je peux pas les bouger comme mon rig en fait, comme si j'avais fait un rig pour rien. Alors en fait, il va falloir faire un truc qu'on appelle un proxy. Alors, un proxy, qu'est-ce que c'est? Un proxy, c'est un espèce de sous-objet, en fait, sur-objet plutôt, qui va se mettre sur ton rig. Et en gros, ça va te permettre de déformer
ton rig tout en gardant les informations de l'autre scène. Donc en gros, c'est un espèce, c'est carrément ça, c'est des surtransformations sur chaque joint pour que tu puisses modifier les paramètres des joints tout en gardant les paramètres originaux dans ta scène actuelle. C'est ça un proxy, d'accord? Donc un proxy, ça permet de ajouter des informations sur ton élément. Donc ça va créer un deuxième objet qu'on va appeler proxy qui va être lié en fait au premier, d'accord? Donc pour ça, en fait, il faut comprendre que quand tu apportes une collection, toi dans ta scène, tu as l'impression d'avoir que la collection, mais en fait dans ta scène il y a tous les objets vraiment. Pour te le montrer, en fait tu peux pas le voir directement, tu pourras peut-être le voir là si je vais dans Blender File. Ouais, tu vois, dans Blender File, tu vois que quand j'ai linké, tu vois qu'il y a vraiment tout dedans, tu vois, on voit qu'il y a tous les objets machin, d'accord. Donc il y a vraiment tout ce qui est linké, et on voit d'ailleurs tout ce qui est linké de link. J'ai plusieurs links de link dans mes scènes, d'accord. Donc toi tu devrais pas en avoir logiquement, mais moi du coup j'ai un petit peu retravaillé la chose entre deux. Alors ici, du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir dire, ok, très bien, comment je fais un proxy? Parce que je te parle de proxy. Le proxy va nous permettre de contrôler l'armature. Alors, c'est très simple, il suffit de taper F3, proxy, d'accord? Et t'as make proxy. Ou alors, tu veux aller dans object, relation, et t'as aussi la même chose, proxy, d'accord? Dans make proxy, ici, tu vas venir chercher le nom de ton rig. Donc moi, j'en ai deux, j'ai Blender Rig et My Rig. Donc je fais Blender Rig. Et en faisant ça, tu vois que là, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux contrôler Blender en pause mode, avec tout ce que ça implique, tu vois, et tout fonctionne. Alors là, ça rame un peu parce que j'ai du subserve, donc je vais rapidement ici dans mon rendu et je vais mettre simplify, et le simplify je vais mettre à 0, donc j'ai aucune subdivision dans mon viewport, d'accord. Ça change rien en rendu, j'aurais des subdivisions en rendu, mais dans mon viewport tout est à 0, ce qui me permet d'éviter de ramer comme un gros bah ouais, que mon ordi rame de ouf, quoi. Et là du coup, tu vois, je peux contrôler mon personnage sans problème, d'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu le principe d'un link de personnage dans une scène. On va faire le proxy rapidement sur Maya, d'accord. Donc F3 ici, proxy. Proxy, j'ai dit. Tac. Et je vais chercher ici Maya Rig, voilà. Donc Maya, pareil. Alors maintenant, je vais te conseiller de faire un petit truc qui va être un peu pénible. C'est, tu vas prendre Maya ici, et tu vas lui dire dans tes collections, tu vas venir, hop, mettre le petit bouton pour pouvoir sélectionner ou pas. En gros, ce bouton là ça te dit si tu peux sélectionner ou pas l'objet, et toutes les deux collections ici tu les rends non sélectionnables. Sinon à chaque fois quand tu vas vouloir cliquer dessus, ça va sélectionner le proxy ou la collection, et ça va être pénible. Là au moins tu peux sélectionner que le proxy. Logiquement, tu es censé déplacer ton personnage seulement avec ton rig si ton rig est bien fait, et comme tu l'as fait avec moi, logiquement il est bien fait. Donc voilà un petit peu le principe. Et maintenant tu peux venir déplacer Maya où tu veux, tu vois, hop, tu le mets là par exemple, Blender tu mets là. Hop, tu le tournes à 180 par exemple, tac, et on est parti. Et tu vas pouvoir commencer à animer. Ça, on verra ça la semaine prochaine, d'accord. Hop, alors je vois que mes bots ne suivent pas. C'est parce qu'il faut que je vienne le prendre directement, voilà, comme ceci. Ok, hop. Voilà, et du coup, là, du coup, tout suit et tout est correct. Si t'as des trucs qui ne suivent pas quand tu rigues ou quand tu fais ton personnage, c'est qu'il y a un petit problème dans ton rig, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien parenté, okay, donc il faut revenir dans ta scène. Original, régler le problème et revenir ici, et tu vois que ça se mettra automatiquement à jour, d'accord. Alors, une dernière chose, tu vois que les yeux ont sauté, les yeux et le placement de mes armes ont sauté, tu vois. Ça, c'est un problème du rig, c'est que en fait, quand tu fais un proxy, ça ne prend plus en compte la position de tes joints quand tu l'avais fait dans ta scène. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Tu peux créer ce qu'on appelle des pauses librairies, ou tu peux créer ce qu'on appelle juste le refaire à la main. Alors, si tu le refais à la main, bah, du coup, tu replaces tes joints rapidement, directement, d'accord. Ou si tu fais une pause librairie comme moi, tu peux venir dans ta pause librairie ici, quand tu as fait ton joint, ta pause librairie, et tu peux venir sélectionner en fait la Maya Rig pause librairie, et là, tu peux venir chercher la bonne. Ou c'est celle-ci? C'est celle-ci, pardon. Et là, tu peux venir, voilà, c'est le default, moi, que j'ai mis. Je vais faire cliquer sur ce bouton-là pour le créer. Attention, il faut vraiment avoir tous les joints sélectionnés pour qu'il le fasse sur tout, donc je sélectionne tout, tac. Et du coup, tu vois, là, il est cohérent. Et du coup, maintenant, je peux reprendre celui-là directement, ok. Sur Blender, c'est la même chose, j'en ai une aussi. Ah, t'es en train de te dire certainement, mais ah, très bien, mais moi, j'en ai pas. moi, j'ai rien, là. Et je vais te dire, oui, en effet, t'as rien, mais je vais te montrer, t'inquiète pas, comment faire. Mais je te montre d'abord comment les appliquer. Tu sélectionnes tout. Attention, il faut bien avoir tous les joints affichés. Donc, si t'as des layers, sélectionne tout. Et tu fais bien, hop, pour l'appliquer en default, d'accord. Et du coup, là, il n'y a pas de souci, et je peux la replacer comme je veux, ok. Donc, ça, c'est important. Alors, maintenant, comment se créer une pause librairie, d'accord. Donc du coup, je vais enregistrer cette scène, je vais replacer lui correctement, tac, voilà, et j'ai enregistré cette scène, du coup je vais montrer comment faire une pause librairie. En fait, pour faire une pause librairie, je vais le faire sur Maya rapidement. Pour faire une pause librairie, c'est relativement simple en fait. Tu vas tout simplement venir dire, ok, comment je fais? En fait, c'est super simple, il suffit en fait de venir mettre Maya dans une pause, tu vois. Par exemple, je le mets dans une pause comme ça, tu vois, hop. Youhou, et voilà, je le fais complètement louché, un peu pété. Voilà, ça c'est ma pose. Je sélectionne tous mes joints, d'accord. Et je fais simplement ici, dans mon armature, dans les paramètres de mon armature, ici, j'ai pose librairie,
D'accord? Et je peux venir en rajouter une, tu vois. Moi j'en ai deux, toi t'en auras pas, mais c'est pas grave. Et tu fais plus ici, et tu l'appelles à new, d'accord? Et tu lui donnes un nom. Et là tu l'appelles, je sais pas, moi, bon, je vais mettre beurré. Ce qui fait un peu beurré. Ok? Alors, pas d'accent par contre. Très bien. Et maintenant, une fois que t'as fait ça, si je fais tout, tu vois, je peux faire default, ça avec default. Take gun, bah, il prend son gun, c'est juste la main qui prend son gun en fait. C'était pour moi faciliter la prise de gun parce que c'est assez chiant d'avoir le contact à chaque fois. Et là, j'ai beurré. Et beurré, tu vois, ça vient le remettre en mode complètement shooté, d'accord? À chaque fois que tu crées une pause, ça va le faire seulement sur tes joints sélectionnés. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, tu vois, par exemple, le take gun, il le fait simplement sur mes doigts parce que je l'ai fait seulement sur la sélection des doigts. Alors que le beurré, je l'ai fait sur tous les joints, ce qui fait qu'il réinitialise ma main, ce qui est pas très intéressant. Logiquement, j'aurais dû seulement sélectionner les joints que j'avais déplacés, d'accord? Bref, et du coup, en faisant un default, surtout, c'est surtout le default qui est intéressant, c'est que tu vas te permettre de retrouver toute la position de tes joints directement dans la scène que tu as, où tu as linké tous tes personnages, d'accord? Donc, voilà un petit peu. Pour résumer, c'est vraiment pas compliqué. Tu crées une scène vide d'anime et tu linkes dedans les deux collections de tes personnages. Une fois que tu as fait ça, tu fais un proxy de chaque collection et tu leur crées une librairie pause default pour retrouver la position que tu avais sur tes joints dans ta scène. Une fois que tu as ça, tu es prêt à animer, et l'animation, ça se passe au prochain cours. Juste avant de se quitter, je vais te montrer une dernière chose dans la scène d'anime. Alors, hop. Ce qui est important, c'est que toi, quand tu vas ouvrir ce fichier-là dans ta... avec la scène que tu as téléchargée dans la formation, d'ailleurs, si t'es pas dans la formation, tu peux aller directement sur la formation Blender et Maya pour avoir accès à tous les fichiers, à des checklists, etc. Si tu regardes cette vidéo directement sur YouTube. Mais si tu vas ouvrir ce fichier-là, tu n'auras rien. Tu n'auras pas mes collections, puisque mes collections, moi, n'existeront pas. D'accord ? Ce sera à toi de les linker toi-même. D'accord ? Parce que, en fait, le fichier d'anime.1 ne contient rien, en fait. Là, pour l'instant, il contient juste une scène vide avec des proxys. D'accord ? Mais les proxys, les éléments qui sont en proxy, eux, sont dans d'autres scènes, dans tes scènes de Maya et de Blender. Donc, ça, il faut absolument que toi, tu les linkes à la main dans cette scène. Ce qui fait que le téléchargement de cette scène, pour cette scène particulière d'information, ne sera pas très utile pour toi. Il faut vraiment que tu viennes le relinker à la main, sinon ça fonctionnera pas, d'accord? Puisque moi j'ai pas le même système de fichiers que toi, etc. Donc ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Tu dois forcément le refaire, toi. Donc regarde bien la vidéo au début, file, link, et tu viens chercher à chaque fois ton personnage. Ce qui est important, c'est que avant d'animer, je te conseille de faire un sol au moins. Donc moi souvent je fais ça, je crée un sol, d'accord? Un plan que j'appelle sol, pour avoir en fait une référence de mes contacts au niveau des pieds, d'accord? Et là j'anime comme ça, d'accord? Si tu as des objets qui vont rentrer en collision avec les personnages, qui vont devoir animer un personnage qui va devoir monter un escalier, passer au-dessus d'un objet, sauter au-dessus d'un objet, il faut que évidemment que tu les fasses et aussi que tu les links, d'accord? Que tu les links pour pouvoir les placer dans ta scène, tout simplement. Parce que, évidemment, tous les objets qui vont rentrer en contact avec les personnages, tu en as besoin pour animer. Par contre, tout ce qui est décor, on verra ça plus tard et ça sert à rien de s'embêter avec un décor quand t'animes. Le décor va t'embêter, il va te cacher ta vue et il va alourdir ta scène pour rien, d'accord? Il faut faire le décor. Importer le décor, linker le décor dans la scène d'anime ou linker la scène d'anime dans le décor, ça marche aussi, les deux sont possibles. Après avoir terminé l'anime, c'est beaucoup plus facile comme ça. Bref, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, encore une fois, tu peux accéder à la formation Blender versus Maya, elle est gratuite et dedans tu vas avoir directement du coup toutes les scènes à télécharger, tu pourras avoir un rapport de chaque scène directement en 3D sur le site, donc ça permet de voir exactement si tu te trompes ou pas, et tu as aussi accès à des checklists qui te disent quoi faire, quoi ne pas faire, quoi rater, et aussi à mon rétro planning qui permet de t'organiser et de enfin terminer un projet. Deuxième chose, je te mettrai aussi le lien en description. Tu as vu que faire ce type d'animation, d'organisation plutôt, est assez complexe. Et tu peux vite te gourer dans les links, etc. Pour ça, j'ai créé une formation gratuite cet été qui s'appelle la formation du pipeline. Donc le pipeline, c'est ça, c'est simplement le domaine qui gère ce problème-là. Donc c'est gratuit, je te mets le lien en description pour que tu puisses y accéder et peut-être avoir plus d'informations sur comment organiser tes fichiers si tu trouves ça un peu compliqué. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette vidéo t'a plu, et je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao !